Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Quel est le message pour toi? Les deux femmes. On dirait la mère et la fille. En tout cas, il y en a une qui semble être plus âgée que l'autre. Celle-ci. Oups. Attitude. Attitude. Bon, peut-être qu'on veut nous faire réfléchir à notre attitude envers l'autre. Comment j'agis avec l'autre? Allons-y. Je reprends l'enregistrement. J'ai rencontré un petit pépin. Ici, la carte du pouvoir et la carte des pensées sombres. Ici, la carte de l'autorité à l'envers et la carte du long chemin et sacrifice et le masculin dans ses pensées. On nous fait réfléchir sur notre attitude envers l'autre, en la relation. Ici, je rencontre deux têtes fortes. Une personne ici qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler. Ça fait longtemps qu'elle agit comme ça. C'est ce qu'elle a appris. C'est l'énergie du masculin, énergie du père. Une personne qui a ses principes et on dirait qu'il y a un manque d'ouverture à l'autre. C'est elle qui gère, c'est elle qui contrôle. Un contrôle fort. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est comme si elle se disait, ben pourquoi ça changerait aujourd'hui? C'est ce que j'ai appris. Peut-être que cette personne avait un père très contrôlant aussi. Ici, c'est un pouvoir. On peut nous parler d'abus de pouvoir. C'est la carte qui me parle du chef. Deux têtes fortes, deux leaders, deux chefs. Sentiment d'impuissance. Ici, il domine. Il contrôle ses émotions. Deux personnes de tête, deux têtes fortes qu'on me présente. Lutte de pouvoir. On ne veut pas perdre, on veut gagner. Compétition, esprit de compétition. On dirait que je rencontre deux personnes ici, en combat. Deux masculins, je ne sais pas. C'est l'énergie, en tout cas les qualités du masculin. Ici, c'est l'énergie d'une personne en situation de pouvoir. Deux personnes en situation de pouvoir, mais mes deux cartes d'autorité, autorité et pouvoir, sont à l'envers. Donc, autorité, c'est quoi cette forme d'autorité et pouvoir à l'envers? Je pense qu'il y a abus de pouvoir. Ici, on veut tout contrôler. Ça me fait penser à un control freak. Ici, on veut tout dominer. Ouf! On ne veut pas perdre, on veut gagner. Lutte, combat, des guerriers. Et ici, c'est la carte qui me dit quoi? Qui m'encourage à accepter le fait que je ne puisse pas tout contrôler. Je ne peux pas tout contrôler. Je ne peux pas contrôler les gens. En fait, ce qu'on est en train de me présenter, c'est une autorité malsaine, un pouvoir abusif.
Il y a un manque de respect en cette forme d'autorité et cette forme de pouvoir. Est-ce qu'on est en train de me dire avec la carte long chemin que ça arrive à sa fin, que c'est une forme d'autorité qui arrive à sa fin? Parce qu'on dirait que c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et là, aujourd'hui, on nous encourage à réfléchir à notre attitude en relation entre personnes. C'est quoi mon attitude envers l'autre? Ici, lutte de pouvoir. Qui a tort? Qui a raison? Même chose ici. On veut contrôler. Ah, c'est lourd, je vous le dis. Je ne me sens pas libre d'être qui je suis en contact avec ces énergies. C'est comme si je ne valais pas grand-chose. Mon opinion, ce que je suis, ce que j'apporte, n'inspire pas l'autre. C'est son idée qui compte. On me parle d'ego, ego très fort, une personne aussi très orgueilleuse. On est fermé, on dirait, une rigidité d'esprit. Ici, c'est comme si on nous encourageait à ouvrir notre esprit, à créer un lien, à apprendre à lâcher prise, à accueillir l'autre. Et on dirait qu'on est en train de calmer ici notre pensée. La carte du sacrifice. Est-ce que je commence à me transformer? C'est possible. Est-ce que je suis en train de créer une ouverture? En tout cas, ici, je peux vous le dire, là. Ouf! Contrôle, là. Du gros contrôle. Je ne sais pas qui est cette personne. Et ici, pouvoir à l'envers, domination. Si on m'avait présenté les deux cartes comme ça, j'aurais dit « Good, c'est beau, un patron, ici c'est l'énergie aussi d'un leader, mais l'autorité aurait été saine. On prend le temps de m'écouter, de prendre en considération mon opinion, ce que je dis. » On prend en considération ma différence. On s'en inspire aussi. Tandis que là, en fait, comme ça, ce sont deux chefs, autorité saine. On construit, on bâtit ensemble. C'est le ensemble, l'esprit d'équipe. Oui, ça prend quelqu'un qui guide, comme le guide, l'autorité est saine. Il y a respect. Respect des membres. On écoute le groupe. Mais là, comme ça, là, ouf! Bien, c'est plutôt de l'abus de pouvoir et du contrôle fort. Du gros contrôle. Pensée rigide. C'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que j'ai appris qu'il fallait le faire, et c'est comme ça que ça va se faire. Donc, un manque d'ouverture, rigidité. J'ai toujours fait ça comme ça, on m'a appris à faire ça comme ça, bien, je vais continuer à le faire de même. C'est une pensée rigide. Il y a un manque d'ouverture d'esprit. Et ici, lutte de pouvoir. Je ne veux pas perdre, je veux gagner. Je m'en vais au combat. Et je maîtrise mes émotions, je les contrôle, je les domine. On va le casser, je vais te casser. C'est cette mentalité-là, ancienne mentalité. Je pense que c'est une question de mentalité, d'éducation ici. Et ici, sacrifice, bien là, on dirait qu'on est en train de se transformer. J'ai besoin de détails sur la carte du sacrifice et de l'homme, du masculin dans ses pensées.
On dirait qu'on est en train d'apprendre à lâcher prise. C'est la carte qui me dit, apprends à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux contrôler ce qui est en ton pouvoir, mais tu ne peux pas contrôler les autres. Bien, il y en a qui réussissent à le faire encore, mais moi, en tout cas, dans cette forme d'autorité, moi, je ne me sens pas libre. Je ne me sens pas respectée. Chacun est libre. Ici, entêtement, une personne têtue qui tient à son point. Celui-ci qui veut dominer, j'en parle au masculin là, parce qu'on me présente l'énergie du masculin, mais vous pouvez l'adapter. On dirait que c'est l'approche. L'approche est rigide. Pour moi, on dirait que ça ne m'attire pas. J'ai plutôt tendance à m'éloigner de cette forme d'autorité. On peut être un chef, un patron et exercer notre pouvoir d'une façon saine. Je m'inspire des autres. Nous sommes une équipe. Nous formons une équipe. Je dois prendre en considération ce que les autres me disent. Je ne suis pas supérieure aux autres. J'ai peut-être été nommée chef. Pour représenter le groupe, pour représenter. Mais de là à dominer, là, on dirait que c'est militaire, là, c'est une énergie de militaire. Je me sens pas bien. C'est comme si on voulait me dresser, me contrôler. Je vais te casser. Tu vas devenir ce que je veux que tu sois. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Je suis différente. J'ai une telle façon d'être. Je ne veux pas, tu ne peux pas me contrôler pour que je sois comme toi. Je ne suis pas comme toi. J'ai ma façon d'être. Mais nous pouvons nous inspirer l'un de l'autre. Je veux être respectée dans ma façon d'être. Donc, on nous invite ici à réfléchir à notre attitude en une certaine relation. Est-ce que je respecte l'autre? Mais peut-être ici, comme je le dis, là, comme je le disais tantôt, on a peut-être reçu une éducation. On dirait qu'on est allé dans l'armée. Dans l'armée. Mais on peut être un chef, au féminin, au masculin, tout en respectant l'autre. Je représente le groupe. On a peut-être été éduqué par une figure d'autorité malsaine qui ne prenait pas le temps d'écouter ma différence. Cette personne a reçu cette éducation-là. Donc, si on me parle d'un père, bien, il m'a transmis ce qu'il a reçu. Et là, je pense qu'on est en train d'en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation? On est peut-être en train de remettre en question cette forme d'autorité. Parce qu'ici, on nous présente de l'abus. Un manque de respect. Là, je vais clarifier la carte sacrifice et le masculin dans ses pensées.
Oups, la carte de la tromperie. On nous présente une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Bon. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui se présente comme étant au service. La carte du sacrifice. Je suis au service des autres. En fait, ici, on me présente la carte de la tromperie. Donc, je ne sais pas ce que ça cache, mais ça cache quelque chose. Au service de l'amour, au service de... Mais ici, on me présente la carte de la tromperie. Donc, c'est un jeu d'apparence. Tout est planifié, tout est contrôlé. Bien, c'est facile à voir aussi. C'est facile à voir. Tout est planifié, tout est contrôlé. On dirait dans ces formes d'autorité, tout est planifié, tout est contrôlé. Des gens qui sont prévisibles. On le sait, on les voit venir à l'avance. On le sait, c'est évident. On le sait que cette personne va agir de telle façon. C'est comme un jeu. On dirait que c'est... comment je pourrais dire ça? C'est prévisible. Ce sont des personnes qui ont des comportements prévisibles. On dirait que... On dirait... qu'elles ont été... j'étais pour dire dressées, mais c'est pas le mot. D'une certaine façon, et on applique ce qu'on a appris à la lettre. C'est rendu prévisible. Il n'y a pas de place à la spontanéité, il n'y a pas de place à l'imprévisibilité. Tout est contrôlé, tout est planifié. Bien, ici, la même chose. On dirait que je rencontre une personne qui se présente au service des autres, mais dans le fond, c'est encore une histoire de tromperie. Là, je commence à en avoir assez. Tout est planifié, tout est contrôlé. Qu'est-ce que ça cache encore? Je peux pas croire que ces personnes ne s'en rendent pas compte. C'est facile de démasquer. Les personnes agissent toutes pareilles, on dirait des petits robots. Pas de place à la créativité. On peut prévoir les comportements que ces personnes vont avoir la prochaine fois qu'on va les rencontrer. Et c'est tout manipulé, contrôlé. Sûrement que vous savez ce que je veux dire. Il n'y a pas de place à la spontanéité. J'ai l'impression de rencontrer des gens tellement insécures, là. Qu'ils contrôlent tout, qu'ils veulent tout dominer. Je pense que c'est une insécurité de fond. Ou un besoin de ressentir une certaine importance qu'ils n'ont peut-être pas eue. Moi, en tout cas, si j'avais été éduquée par des parents qu'on me présente ici, je ne me serais pas sentie respectée en ma différence. C'est plutôt de la domination et du contrôle qui ne prend pas le temps de m'écouter en ma différence. On veut me gérer, on veut me mettre dans un moule. Et moi, c'est bien de valeur, mais ça ne m'intéresse pas. Je dois être une rebelle. Je dois être une rebelle. Donc ici... On voit les comportements, tout est planifié d'avance, tout est calculé, tout est planifié d'avance, c'est prévisible. Donc ici, on nous présente la carte de la tromperie qui, dans le fond, me parle du masque. Attitude, c'est quoi mon attitude envers l'autre? C'est quoi mon attitude, mes comportements? Comment je me comporte en une certaine relation?
Moi, je pense ici que qu'on me présente deux personnes qui n'ont pas été respectées dans leur vie. Elles ne connaissent pas c'est quoi le respect de la différence, l'écoute de la différence. Ici, énergie de violence, aussi de lutte, de combat. Oui. Un manque d'ouverture. Contrôle assez fort. C'est la peur qui est en arrière. C'est la peur. Peur de perdre le contrôle. Peur de perdre. On veut gagner, on veut gagner. C'est l'ego qui est en arrière-plan. C'est l'ego. C'est la peur. Ça sent à distance. Quand on rencontre ces personnes, la peur. On les reconnaît par la peur. C'est la peur. Ici, on est bien, on a une bonne armure. Ici aussi. Ici, une bonne armure. Un vrai guerrier, un vrai soldat. Mais à l'intérieur, si tu enlèves l'armure, ce sont des gens qui ont très peur. Peur de perdre le contrôle, c'est l'insécurité qui est présente. Ah, on peut me parler d'insécurité financière. Si je rencontre une personne, c'est l'énergie du travail. Mais c'est une personne qui s'entête ici, qui s'entête, qui ne veut pas avouer ses torts. Non, c'est vraiment l'orgueil que je rencontre ici. Même si cette personne sait qu'elle a tort, ça lui prend tout pour reconnaître qu'elle s'est trompée ou qu'elle a peut-être mal agi. C'est ce que je rencontre. Et ici, bien, on me présente une personne qui se révèle ou qui se dévoile aux gens comme étant au service. Mais dans le fond, je m'excuse là, mais c'est un masque. On est au service. Ah oui, ça fait partie du plan. Hey là, là. C'est ça que je vois. Bon, félicité. On me parle de quoi maintenant? Félicité. Est-ce qu'on va mettre fin aux ennuis, là? Est-ce qu'on va lâcher prise? Est-ce qu'on va accepter de le fait qu'on ne puisse pas tout contrôler? Je peux contrôler ce qui est en mon pouvoir. Mais est-ce que je peux vraiment contrôler l'autre? Essayer de contrôler l'autre, j'ai appris que c'est de lui manquer du respect. Chaque personne est libre. Nous sommes tous différents. Chaque personne emprunte le chemin. Mais en tout cas, c'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je vous dis. Faites preuve de discernement, écoutez-vous, remettez-moi en question, remettez en question, osez remettre en question. En tout cas, pour moi, si je tente de contrôler l'autre, ça m'arrive encore. C'est juste qu'il y a une petite cloche maintenant qui sonne en moi qui me dit, Isabelle, cette personne est libre. Est libre de choisir, est libre d'emprunter le chemin qu'elle souhaite emprunter. Isabelle, tu n'as pas de pouvoir sur l'autre, mais tu as du pouvoir sur toi, par exemple. Si tu n'es pas bien en ce lien, si tu n'aimes pas, tu peux l'exprimer. Bon, peut-être que l'autre personne va créer une ouverture, va être prête à t'entendre, peut-être que non, mais tu n'as pas de pouvoir sur l'autre. Toi, fais ton chemin. N'essaie pas de contrôler l'autre parce que tu vas créer quoi? Une guerre de pouvoir encore, ça va repartir. Une lutte de pouvoir. Qui a tort? Qui a raison? Non, tenez. Puis on est dans les forces, des combats de tête. Des combats de tête. Ici, deux têtes fortes que je rencontre. Pff, on n'est pas sorti du bois.
On est dans des énergies de guerre. Donc, si l'attitude, on nous fait réfléchir à l'attitude. Si je veux mettre fin aux ennuis, si je veux être bien, être libre, être heureuse, peut-être que je dois apprendre à me respecter et aussi à respecter l'autre. Moi, je pense ici qu'on me présente deux personnes qui n'ont pas appris c'était quoi le respect. Ce sont deux personnes qui ont peut-être vécu de la violence ici, abus de pouvoir, toute forme d'abus. On n'a pas pris le temps d'écouter la sensibilité ou le... Ici, les pensées sombres. Et on dirait qu'on a appris à les dominer. À les dominer au lieu d'apprendre à les accueillir, les émotions. Ici, on contrôle, on maîtrise nos émotions au point de s'en être coupé. On ne ressent plus. Il y a une dureté en ces cartes. Et on a toujours fonctionné comme ça. On a appris ça. Bien là, aujourd'hui, on en est conscient. On en est consciente. C'est comme si on s'était coupé de nos émotions. On dirait que c'est une ancienne mentalité. Ça fait partie de l'éducation. Donc, ces personnes ne pouvaient pas me donner autre chose. C'est ce qu'elles ont appris. On n'était pas conscient en ce temps-là. Mais maintenant, si on est conscient, on peut opérer des changements. On peut modifier notre façon de faire, notre attitude. On peut changer nos comportements. Donc ici, moi, je ressens la relation. Quand je regarde les cartes, l'attitude et les deux personnes qui marchent ensemble, je ne ressens pas la lutte de pouvoir. Je les vois marcher ensemble. C'est agréable. C'est comme ça que je les ressens quand je regarde la carte. Les deux cartes. Bon, ici, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Rappelez-vous, remettez en question. Parce qu'il y a aussi les croyances hein, qui embarquent ici, là, dans la place, la zone de pouvoir, d'autorité. Il y a des croyances qui influencent notre façon d'agir, les croyances. Moi, c'est parce que j'aime remettre en question. Donc, c'est pour ça. Et je veux bien respecter vos croyances. Mais ça se peut que si je rencontre cette personne-là, bien que je choisisse de me retirer, de ne pas entretenir le lien parce que je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas libre d'être qui je suis. On tente de me contrôler et moi, je ne me sens pas bien. Je me sens comme dans une cage. On tente de me casser. On tente de m'éduquer d'une façon. On tente casser. C'est un mot ici qui vient ici avec la. Qui s'accorde bien avec la carte pouvoir et autorité à l'envers. On veut me dominer, me casser. Et. Ouf! Mais ça fait partie, ça, d'une éducation. Casser le caractère. On dirait que je suis dans l'armée. Je ne sais pas aujourd'hui comment c'est dans l'armée, là. Mais, en tout cas, ici, on est endurci. On est endurci. Ouf! C'est difficile pour moi d'accéder dans ce temps-là à la personne. C'est difficile de dépasser l'armure. C'est difficile et je suis certaine que ce sont des personnes sensibles puisque j'ai vu l'eau. Nous sommes tous des êtres d'émotions. Nous avons tous des émotions. Je pense que c'est une question d'éducation ici. On a toujours appris ça. Éducation aussi religieuse. Tantôt, c'est de ça que je parlais. Là, je vois la croix. Éducation religieuse. Je respecte, je veux respecter vos croyances. Je veux respecter vos croyances, mais ça ne veut pas dire que je suis en accord. Je ne suis plus en accord. Il y a certaines croyances qui ne m'inspirent. Disons que j'ai changé. «
J'aime écouter si ça résonne à l'intérieur de moi. Est-ce que ça résonne vrai? Est-ce que je me sens à l'aise? J'aime prendre le temps de choisir mes croyances. Je peux en créer aussi. J'aime avoir cette liberté d'être. Je n'aime pas quand on m'impose une façon. Je dois me comporter comme ça. Ça dépend encore. Ça dépend. Si je suis au travail et que je dois faire telle chose comme ça, bien je l'accepte, c'est ainsi. Si ça me déplaît, bien j'ai juste à pas prendre ce travail-là. Il y a des règles à respecter, il y a des règles, il y a des lois. Est-ce que je les accepte ou pas? Est-ce que je suis prête à respecter ces lois? Mais je pense ici que l'approche y est pour quelque chose. L'approche. La forme d'autorité, la forme de pouvoir. On dirait que c'est ça. On veut me faire réfléchir sur la forme d'autorité, la forme de pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir qui me respecte? Est-ce que c'est une forme d'autorité qui prend en considération qui je suis, qui me respecte aussi en ma différence? Qui prend au moins le temps d'écouter ce que j'ai à dire? Qui prend le temps de voir qui je suis? Ici, on dirait qu'on ne voit même pas que j'existe. Dans cette forme d'autorité. Donc, j'ai choisi d'exister et de m'éloigner de l'abus. Souffrir en silence. Donc, oui. Ici, on porte un bagage. Un bagage. Je vais piger une carte. On dirait des... On porte un bagage de souffrance. C'est pour ça. Ce sont des personnes qui ont une sensibilité. Mais on dirait que ça fait partie de l'éducation. Ce qu'on a appris. On a appris une forme de pouvoir, une forme d'autorité. On dirait qu'on veut me faire réfléchir à ça aujourd'hui. Bon, ici, patrimoine, héritage, exact. Qu'est-ce que j'ai reçu? Héritage, c'est aussi la carte qui me parle, patrimoine, de ce que j'ai reçu comme éducation. Qu'est-ce que j'ai reçu comme croyance? Qu'est-ce qu'on a mis dans mon bagage, dans mes bagages? Est-ce que je peux remettre en question ce que j'ai reçu? Est-ce que je me sens bien avec ces croyances-là, avec cette éducation-là? On m'a donné ce qu'on avait. Bien, là, c'est à moi de faire le tri et de dire, bien, est-ce que moi, je me sens à l'aise avec ça? Est-ce que je me sens bien ou j'ai le goût de me révolter? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je ressens un accord? Est-ce que je me respecte? Il y a une remise ici en question. Un ménage, peut-être. Prendre le temps d'identifier mes croyances. C'est pour ça que des fois, je le répète, le travail avec les psychologues, les thérapeutes, c'est ça qu'on fait. On va aller débroussailler ce qu'il y a là, ce qu'on a reçu comme bagage dans le passé. Qu'est-ce que tu as reçu? Parce qu'aujourd'hui, si tu es bloqué, il y a peut-être une raison, il y a peut-être une croyance là, qui te bloque. Tu n'arrives pas à te reconnaître, à ta juste valeur, à t'aimer. Bien, peut-être qu'il y a des croyances là. Qu'est-ce que tu as reçu dans ton bagage? Si on n'a pas pris le temps de t'écouter, qu'on n'a pas pris le temps de t'accorder de l'importance, bien, peut-être, ça se peut très bien que tu ne te sentes pas aimé et qu'aujourd'hui, c'est difficile pour toi de te reconnaître, de prendre ta place. Qu'est-ce que tu as reçu dans ton bagage? Bien, c'est ça qu'on nous dit ici. Et ici, on nous dit, bien là, es-tu prêt? Es-tu prêt à... C'est comme si on me disait, es-tu prêt à laisser tomber, là? Ou aller explorer ce qui te fait souffrir. C'est pour ça que je valorise encore le travail des psys, des thérapeutes. Ces gens-là sont importants. Dans la démarche personnelle, parce que c'est avec eux, à chaque semaine, qu'on peut
C'est personnalisé, qu'on peut aller explorer, toi, qu'est-ce que tu as vécu, toi, ta façon de le vivre et comment tu l'as interprété. Et c'est ça. On a besoin de ces gens-là. Repos et rajeunissement de ces professionnels-là. Repos et rajeunissement. On me dit quoi? C'est la carte qui se présente suite à une, ouf, un changement qui a pu être éprouvant. Une période qui a pu être éprouvante sur le plan des émotions. Là, ici, repos. On dirait qu'on est en rétablissement. Donc là, est-ce que j'ai rencontré une personne qui a fait un voyage intérieur, qui a fait des prises de conscience? C'est possible. Mais là, cette carte-ci me parle d'ancrage. Ouf, on revient au présent. On revient au présent. Maintenant, je suis consciente de mes comportements. Je suis consciente d'où ça vient. J'en suis consciente. Mes parents m'ont donné ce qu'ils avaient. Avec la conscience qu'ils avaient en ce temps-là. Bon, ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Bien là, on dirait que je reviens au présent et puis il y a comme une forme de lâcher prise ici. Ancrage, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a probablement fait des prises de conscience ici, de ses comportements, une ou plusieurs personnes. Oui, ici c'est une carte de rétablissement. C'est le temps de se reposer. Je peux aujourd'hui, maintenant que je suis consciente de mes comportements, de mon attitude, bon bien, je peux créer de l'espace, je peux changer. Je commence à changer parce que je suis consciente de mes comportements et de ce que ça provoque, de ce que ça crée chez l'autre. Est-ce que ça crée une fermeture? Est-ce que ça crée une ouverture? Ah, là, j'en suis consciente. Quand une personne tente de me dominer, de me casser, de me contrôler, qu'est-ce que ça fait chez moi, en moi? Est-ce que j'ai le goût de m'en aller? Est-ce que j'ai le goût de me rapprocher de cette personne? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Bien là, on dirait qu'on a pris le temps d'en prendre conscience. On en a pris conscience. On a pris conscience de toute cette mascarade. Bon, une personne de la cour. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh mon Dieu! Et la personne fausse. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? On dirait qu'on me présente. Qu'est-ce qu'on me présente aujourd'hui? Personne fausse représente aussi la carte de la tromperie. Une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Rusée. Et ici, c'est la carte de la personne de la cour. Justice, avocat, juge, une personne de la cour. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier? Est-ce qu'on l'a clarifié? On a pris conscience de nos ruses, de nos comportements, de nos mensonges, de la carte de la tromperie, de nos masques. C'est possible. C'est possible. On nous fait réfléchir à notre attitude. Les jugements aussi. Les jugements. Personne de cour le juge. Ah, c'est pas facile, les jugements. Moi-même, je juge. Mais au moins, je peux me récupérer. Quand je m'en rends compte, c'est toute une question de conscience. Je me juge. Ça m'arrive. Je peux juger. Ça m'arrive. Je peux me récupérer. Mais il faut au moins que j'en sois consciente, que j'en prenne conscience de mes comportements. Réjouissance et fête. Bon, c'est la carte qui exprime quoi? Des rencontres? Une réussite? Une réussite. On célèbre quelque chose. C'est la carte qui me parle de réunion, on se réunit. Donc, est-ce qu'on nous parle d'une forme de réconciliation? C'est possible. Réconciliation avec soi, avec les autres aussi. C'est très possible. On dirait un jeu de réconciliation. Ici, je ressens les deux personnes réconciliées.
terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. On nous ramène à l'enfance. Hein? Le plaisir, le terrain de jeu. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Là, j'ai le mot castré qui me traverse l'esprit. Tantôt, j'ai parlé de casser. Là, j'ai vu castré. Quand on castre un enfant, dans le sens de on l'empêche tout simplement d'être. La spontanéité de l'enfant. Castré dans le sens de dominer, contrôler. Je reviens à la carte. Qu'est-ce qu'on me disait? Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine!